essayer de vider la pierre un maximum à l'intérieur c'est quelque chose qui va ressembler à du végétal, mais quelques feuilles juste qui se tiennent entre elles. Je voudrais essayer d'aller à la limite de ce que la pierre elle peut supporter. Il faut essayer de vider l'intérieur de la pierre et qu'elle se tienne plus que seulement avec quelques éléments. En fait, je suis fascinée par la façon dont les plantes se déploient et se tiennent dans l'espace. Et essayer de capturer cet instant par le moulage, c'est un challenge. C'est un instant très mince, la plante c'est extrêmement fragile, ça vit très peu de temps. Et essayer de la figer, comme la fossiliser, c'est très délicat. Au départ, en fait, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de jouer. Et j'essaie de me créer un répertoire de formes, comme un dictionnaire, dans lequel je peux venir puiser, assembler les choses, les combiner, comme ça à l'infini, en fait. Ça ne m'intéresse pas tant que ça de créer des sculptures, des pièces autonomes qui restent seules. Chaque chose que je fais, je sais qu'elle peut être combinée ensuite avec les autres. J'ai plutôt envie de travailler à des ensembles. C'est pour ça que je réfléchis à l'histoire d'une grotte, d'une fontaine, vraiment occuper des espaces et créer des ensembles.